Corentin Hassmann, le commandant du PGHM de la Savoie. Je commande un PGHM depuis 5 ans. Avant, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait un lycée militaire et je suis passé par l'école navale pour être officier dans la marine. J'ai commandé le PGHM des Alpes-Maritimes et aujourd'hui, je suis là en Savoie. Ensuite, pour présenter le PGHM et en tout cas le secours en montagne à l'échelle nationale, savoir que chaque département a son organisation. Donc pour accomplir une opération de secours en montagne, on a besoin à la fois des secouristes, donc PGHM, CRS ou pompiers en fonction du département, de la semaine ou du secteur. Et ensuite, un pilote, un mécano avec un hélicoptère d'État dans la majorité des cas pour le secours en montagne, donc que ce soit un hélico bleu de la gendarmerie ou un hélico jaune et rouge de la sécurité civile. Et enfin, les médecins avec qui on travaille régulièrement, donc ici dans la vallée de la Maurienne avec les médecins de l'hôpital de Saint-Jean. Au sein d'une équipe de secours en montagne, avec un hélico de la gendarmerie, il faut bien avoir conscience que vraiment il y a deux entités différentes. Il y a à la fois la section aérienne de gendarmerie, donc qui est commandé par un officier qui gère les pilotes, les mécanos au sein de l'entité. Et on travaille en équipe, ensemble, entre l'hélico et les secouristes. Et c'est vraiment deux entités différentes qui travaillent en équipe. C'est pour ça qu'en fait, l'hélico de la gendarmerie travaille avec des CRS la semaine de permanence durant laquelle c'est eux qui occupent la fonction, quoi. Nous, on intervient sur tout le spectre de la montagne. Donc ça va du randonneur qui se foule une cheville sur un sentier à proximité de la vallée jusqu'à l'alpiniste qui va tomber ou dans une crevasse ou qui va dévisser dans un couloir à la grande casse. Donc vraiment, on intervient sur l'ensemble de ce spectre-là, en passant bien entendu aussi par le canyon, par les accidents en escalade. En fait, c'est tout ce qui est inaccessible immédiatement en véhicule va rentrer dans le champ du secours en montagne. Du coup, pour rentrer en PGHM, il y a trois types de recrutement: officier, sous-officier ou gendarme adjoint volontaire. Pour ta question de savoir s'il faut être guide, il y a un type de recrutement qui passe par l'obtention du guide ou en tout cas du probatoire du guide, qui est le recrutement pour être sous-officier. On va rentrer, on va quand même faire ces 9 mois d'école. Enfin, il faut réussir le concours de sous-officier, puis faire ces 9 mois d'école. Et à ce moment-là, on ne passera pas les tests techniques pour rentrer en PG, mais tout ce qui est module de secourisme et module psychotechnique. Classiquement, il y a différentes voies. On peut, lorsqu'on a moins de 26 ans, qu'on veut faire peu d'école, qu'on veut approfondir sa connaissance de la montagne, etc., on peut faire gendarme adjoint volontaire, 3 mois d'école. Et là, à ce moment-là, on rentre en PG, on va plutôt assurer la logistique, etc. On ne va pas vraiment faire du secours en montagne. On va être vraiment là en appui et on va pouvoir se former au contact des secouristes de manière à progresser et à pouvoir préparer les tests par la suite, soit en passant, comme on l'a dit, par le guide, soit en passant le concours sous-officier et en prenant la deuxième voie possible. Donc la deuxième voie pour être sous-officier secours en montagne, on a la voie totalement interne où on peut arriver en sachant pas skier et finir secouriste en montagne. Donc là, on va avoir un module de 17 semaines de formation qui va nous amener à passer les tests d'entrée en spécialité avec 2 semaines techniques, 3 semaines de secours et un module psychotechnique qui vont nous permettre ensuite d'entamer la formation. Donc là, 20 semaines supplémentaires au cours desquelles on va avoir différents modules, à la fois de l'alpinisme, à la fois du secours et à la fois un module de formation judiciaire puisqu'on est aussi gendarme enquêteur en haute montagne. Pour répondre, c'est ce volet judiciaire, là je fais une petite aparté, mais ça peut servir, ce volet judiciaire, en fait, il permet surtout de pouvoir à la fois relever éventuellement s'il y a une infraction, ça peut être le cas sur des accidents du travail ou autre, mais surtout et avant tout, pouvoir répondre aux familles qui restent en vie sur les circonstances de l'accident qui s'est produit et qui a conduit à souvent un décès. La troisième façon, donc, c'est le recrutement pour être officier, donc c'est la voie que j'ai suivie. Moi, je suis passé par une école d'officiers militaires. Donc j'ai fait l'école navale, on peut faire Saint-Cyr, on peut faire Polytechnique, on peut faire l'école de l'air ou un concours universitaire pour rentrer à l'école à Melun. Là, on a 2 ans d'école et ensuite, on va occuper un poste en gendarmerie départementale ou mobile. Et à ce moment-là, pareil que pour le recrutement sous-officier, on a un cursus interne de 17 semaines de formation qui nous permet de nous présenter au test d'entrée. Pour moi, un secours marquant, là, c'est cet hiver, on est allé chercher une jeune femme, une jeune trailleuse qui était tombée sur une plaque de neige, disparue. On a mis un gros dispositif en place avec beaucoup de moyens, aéros, chiens, notamment l'exploitation des nouvelles technologies. Et on a retrouvé la jeune femme après 30 heures, encore vivante. On a pu l'amener à l'hôpital. On a eu des nouvelles dans les jours qui ont suivi. Elle s'est remise de sa chute alors qu'elle avait un gros traumatisme crânien. Et donc, c'était quand même une victoire pour toutes les équipes.